Si j'étais Airbus, je remotoriserais l'A330 et je laisserais tomber l'A380. Les propos de Tony Fernandez, le président d'AirAsia, font beaucoup parler, d'autant qu'AirAsia est l'un des plus gros clients de l'avionneur. La compagnie a acheté plus de 500 appareils, principalement de la famille des A320. Pour Alain Garcia, ancien directeur technique d'Airbus, l'A380 complète par le haut la gamme de l'avionneur et les succès engrangés par l'A320, l'A330 et l'A350 lui doivent beaucoup. Et ce programme nous a permis de capter des marchés que l'on n'aurait jamais captés. Il faut se souvenir que les ventes d'Airbus étaient bloquées par Boeing. À l'époque, nous n'avions pas ce gros porteur parce qu'ils pouvaient présenter le Boeing 747 à notre place, ce qui nous a fait perdre pas mal de parts de marché. Et grâce à la 380, déjà, nous avons réussi à remplir un carnet de commandes extraordinaire. Donc attendons, nous avons eu la crise qui nous a créé des difficultés, qui a créé à Airbus des difficultés pour le vendre, mais il n'y a aucun doute qu'on est en train de se récupérer et que dans tout programme, on connaît des creux dans les périodes de vente et que ça devrait reprendre. Moi, je suis confiant. Il y a 10 jours, au salon aéronautique de Dubaï, Emirates a commandé 50 nouveaux A380 sur 309 appareils commandés dans le monde. Emirates en a commandé près de la moitié. Alors, un seul gros client pour l'A380, est-ce commercialement dangereux ? Non, je ne pense pas. Lorsque le marché va se développer, lorsque on va reprendre la demande sur les mégalopoles qui vont se mettre en place progressivement, vous savez que l'urbanisation a lieu de manière galopante, que nous allons passer progressivement de 50% de la population qui vit en ville, et puis on va passer à 60-75%, donc on va créer des grosses demandes, et la 380 est là. Donc ce n'est pas la notion de client. Je dirais que quelque part même, le client unique a été visionnaire, et il est en train d'amagasiner, de capitaliser sur la demande de maintenant. Les propos de Tony Fernandez interviennent alors que sa compagnie est en pleine négociation avec Airbus pour une nouvelle commande d'A330, une façon sans doute de mettre un peu la pression sur l'avionneur.